Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Weekend. Voici les titres de votre édition. Jusqu'à 49 degrés dans certaines régions du Royaume. Des hausses de température qui provoquent une augmentation de la fréquentation des plages, comme nous l'avons constaté aux abords de Rabat. Les Marocains du monde à l'honneur en cette fin de semaine, à la suite de la Journée nationale du migrant. Plusieurs activités ont été organisées à travers le Royaume sur fond d'engagement des membres de la diaspora dans le développement du pays. Le coup d'envoi du Salon Régional de l'Artisanat de Safi. Quelques 150 participants y dévoilent leurs créations et leurs talents dans les métiers de l'orfèvrerie, de la maroquinerie ou encore de l'ébénisterie. Et nous ferons le point sur la situation au Niger où le sort du président Bazoum est toujours incertain, une journée marquée par le report inédit de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO. Avec un mercure qui dépasse allègrement les 40 degrés, le bord de mer devient la seule issue pour bon nombre de vacanciers. C'est d'ailleurs le cas sur le littoral aux abords de la capitale qui est littéralement pris d'assaut par des estivants en quête d'un peu de fraîcheur. Reportage Mohamed Boubacar, Houda Jadid et Amina Ben Khalak. Un soleil de plomb et plus de 40 degrés de température. Deux facteurs qui poussent les habitants de Rabat Salé Kenitra à se diriger dès les premières heures de la matinée vers la plage des Nations Unies. Il fait très chaud, rien de mieux que la plage pour se rafraîchir et permettre aux enfants de s'amuser durant les vacances. La chaleur est plus supportable sur la plage. Je viens ici tous les week-ends avec mon groupe d'amis. Et ce n'est qu'à partir de midi que l'afflux massif des vacanciers commence à se faire ressentir. Certains viennent de régions où il fait encore plus chaud. Je viens de Meknès où les températures sont extrêmes. Ici, il fait un peu plus frais. En plus d'être un abri contre la chaleur, l'autre atout de la plage des Nations Unies, c'est qu'elle est labellisée pavillon bleu, un gage de sécurité et de qualité des eaux de baignade. Et qui dit fort ensoleillement dit forcément risque pour la peau. Je reçois ce propos, la dermatologue Hind Haïm, bienvenue. Alors docteur, est-ce que la hausse des températures avec un niveau du mercure qui dépasse parfois les 50 degrés implique nécessairement une augmentation des risques pour la peau? Alors certainement on va dire, mais il faut avant de détailler ces risques immédiats, il faut savoir qu'on est en fait tout le monde. Et ça veut dire qu'il est concerné par le soleil et par ses dégâts, mais on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus fragiles que d'autres, notamment ceux qui ont une peau claire, ceux qui ont des grains de beauté en excès, ce qu'on appelle les névis congénitaux ou atypiques, ceux qui ont des antécédents de cancer de peau dans la famille, ceux qui prennent des médicaments photosensibilisants, sans oublier les âges extrêmes aussi, les sujets âgés et les enfants, ou les personnes qui ont des pathologies dermatologiques. Alors ces personnes-là, c'est eux qui sont plus susceptibles de faire les dégâts immédiats, qui peuvent être du brûlure, de différents degrés, premier degré au troisième, on peut avoir ça sous le soleil. Deuxièmement, ils peuvent avoir des allergies au soleil et des cas aussi, on peut avoir des déclenchements ou d'aggravations de maladies cutanées, de sévérité variable allant de l'acné aux taches à des maladies auto-immunes comme le lupus. Donc d'où l'intérêt de faire une photoprotection, mais ça serait une photoprotection extrême, notamment ce type de personnes qu'on peut dire fragiles au soleil. Alors au-delà de ces personnes fragiles, lorsqu'on s'expose de manière excessive au soleil, est-ce qu'on peut réparer les méfaits causé sur la peau pendant tout le reste de l'année, hors période estivale? Certainement, mais la surexposition laissera toujours des dégâts sur le soleil. Et elle diminue ce qu'on appelle le capital soleil, qui n'est autre que la capacité de la peau à supporter l'exposition solaire tout au long de la vie. En fait, c'est comme si on avait un crédit qu'on consomme. Effectivement, qu'on consomme, c'est ce que moi j'appelle mesure. Un forfait capital soleil. C'est comme le forfait téléphone. Mais en fin de compte, on épuise. Donc si on continue à s'exposer de manière abusive, on va laisser une peau qui n'aura pas la capacité ni de se régénérer, ni de se réparer de manière continuelle, chose qu'elle fait habituellement tous les jours, de manière continuelle et de manière systématique, elle se renouvelle tous les 3 à 4 semaines. Donc si elle ne peut pas se réparer, bonjour les dégâts, installés non réparés, ça sera en permanent. Et donc du coup, l'intérêt surtout de commencer ou entamer cette photoprotection avant que les dégâts soient permanents et ils seront regrettables. Justement, quels peuvent être les effets à long terme? Alors, à long terme, comme à court terme, comme on a détaillé, ils sont toujours multiples. Mais on peut les détailler en deux grands facteurs. La vieillesse ou la vieillesse prématurée, ce qu'on appelle l'héliodermie, c'est-à-dire le vieillissement dû au soleil, et l'apparition de cancers de peau. Quand on dit vieillesse, c'est-à-dire c'est une peau qui devient flétrie, une peau qui perd de son élasticité, qui perd de son éclat, apparition de taches, apparition de rides. Et ça, c'est très, très remarquable chez les gens qui s'exposent au soleil dans leur vie de tous les jours.
par exemple, les chauffeurs, on voit la moitié du visage qui est très, très agressée et la moitié autre qui est encore jeune. Donc, ça se devine très bien, c'est la même personne, mais elle répond différemment en fonction du côté exposé. Deuxième chose, c'est l'apparition de cancers. Et là, le rôle du soleil dans les cancers cutanés, elle est non indignable. C'est-à-dire, deux cancers le plus simple qui reste sur la peau, au cancer le plus méchant, la peau aussi peut faire des cancers qui peuvent donner le décès du patient. Donc, faites attention si vous avez une lésion qui change d'aspect, une lésion qui est nouvelle, n'hésitez pas de voir le dermatologue parce que ça peut vous aider à sauver votre vie. D'un mot, docteur, ça veut dire qu'il faut se protéger dès le plus jeune âge. Effectivement. Alors, notamment les bébés et les enfants, ils ont une protection cutanée ou, qui naturellement n'ont encore bien développée. Donc, c'est à nous le rôle des adultes de les protéger et de veiller à ce que cette photoprotection soit sur place dès le bas âge pour plusieurs raisons. Ce qu'on a détaillé maintenant, pour préserver leur forfait capital soleil, pour aider à ne pas voir ces dégâts qu'on a peut-être nous vus dans notre peau à court et à long terme. Et surtout, il faut savoir que le coup de soleil qu'on reçoit pendant l'enfance, c'est un facteur de risque d'avoir le cancer le plus méchant de la peau. C'est scientifiquement prouvé. Si vous faites en tant qu'enfant 5 coups de soleil pendant l'enfance, vous pouvez faire le cancer le plus méchant. Cette photoprotection, on a dit, il faut que ça soit basé sur deux choses. La photoprotection vestimentaire, et on, bien sûr, il faut les mettre dans l'ombre, mais aussi une photoprotection par un usage d'un photoprotecteur adapté à l'âge. On aime tous nos enfants, on aime tous le soleil, mais c'est deux choses qu'il faut éloigner l'un de l'autre. Merci beaucoup, Hind Haïm. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Merci pour toutes ces précisions. Les fortes chaleurs actuelles, avec parfois même plus de 50 degrés, je le disais, qui augmentent les risques de feux de forêt, comme celui qui sévit depuis jeudi à l'ouest de Tanger. Conséquence, les flammes ont ravagé une quarantaine d'hectares de végétation. Mais heureusement, grâce à la mobilisation des éléments de la protection civile, le sinistre est désormais circonscrit à plus de 85% des équipes d'intervention terrestre qui sont appuyées par d'importants moyens aériens déployés par les forces armées, les forces royales air et la gendarmerie royale. Tout ce week-end, les Marocains du monde sont à l'honneur dans le sillage de la Journée nationale du migrant, l'occasion de mettre en relief leur soutien et leur implication dans le développement socio-économique du royaume et de leur région. Exemple du côté d'Imin Tanout avec Hassan Houben, Rafiq Agoumed et Adil Lutete. Nous sommes à Imin Tanout, dans le Haut Atlas. Dans cette petite ville relevant de la province de Chichawa, une piscine fait office de défouloir pour les habitants. Des projets comme celui-ci se font rares dans la région. Si les jeunes d'Imin Tanout peuvent pleinement en profiter aujourd'hui, c'est grâce à Ahmed, un enfant de la ville. Nous sommes très attachés à notre patrie. Nous avons investi et tout se passe très bien. Ce projet nous a permis de créer de l'emploi pour les jeunes de la région. L'apport des enfants de la région expatriés partout dans le monde est indéniable. L'économie et l'activité locale s'activent particulièrement pendant la période estivale. En été, Imin Tanout reçoit la visite de beaucoup d'expatriés en provenance de pays comme la France, les Pays-Bas, les États-Unis ou encore le Canada. Leurs arrivées sont très bénéfiques pour le commerce. Nos expatriés envoient de l'argent à leur famille. Quand ils débarquent pendant l'été, Imin Tanout change en mieux. Toutes les activités commerciales reprennent vie. Les Marocains du monde sont estimés à plus de 5 millions. En 2022, leurs transferts d'argent ont été établis à plus de 100 milliards de dirhams. Des sommes qui participent grandement au développement économique de certaines régions, comme Imin Tanout. Et les enfants des Marocains du monde ne sont pas en reste dans la ville d'Al Hussaima. Ils bénéficient d'une série d'activités organisées par le Conseil des Ulama, une manière de les initier à la langue arabe et aux valeurs de tolérance, de partage et de solidarité. Reportage Fouad Azouzi, Mohamed Hajoub et Wissalal. Ce sont les premiers versets du Coran que Yassir récite fièrement. Âgé de 9 ans, ce petit garçon venu de France suit des cours sur la religion musulmane pendant ses vacances au Maroc. Des séances organisées à la mosquée Mohamed VI d'Al Hussaima, auxquelles ses parents l'ont fortement encouragé. J'habite en France et je suis venu au Maroc pour les vacances. Je viens à la mosquée tous les matins pour apprendre à lire et à mémoriser le Coran. De telles initiatives doivent être saisies car nos enfants ont besoin de ces cours pour apprendre les principes du Coran. À l'initiative du Conseil des Oulémas d'Al Hussaima, la session d'été d'apprentissage du Saint-Coran en est à sa 14e édition. Les enfants participant à ces cours apprennent à mémoriser et à psalmodier le livre saint de l'islam en maîtrisant ses différentes lectures. Le Conseil des Oulémas d'Al Hussaima a élaboré un programme d'enseignement du Coran. Cela permet aux enfants marocains résidant à l'étranger non seulement d'apprendre les bases du livre saint de l'islam, mais aussi de ne pas oublier leur culture d'origine. Ces cours ont lieu dans 30 centres dans la province d'Al Hussaima, une initiative qui connaît un véritable engouement pour ses petits et pour leurs parents qui tiennent à leur inculquer les valeurs de tolérance et de modération de l'islam.
Direction Safi maintenant, où le salon régional d'artisanat bat son plein jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Une centaine d'exposants, une cinquantaine de coopératives y prennent part pour faire la promotion de leur savoir-faire traditionnel dans différentes matières. Reportage Younes Sabah et Isa Sharqi. Ce sont plus de 108 exposants qui ont répondu présents à ce salon régional dédié aux produits artisanaux. Poterie, ferronnerie, tissage ou encore broderie, les métiers de l'artisanat marocain sont presque tous représentés dans ce village éphémère. Les exposants représentent les différentes provinces de la région et du royaume en général. Les produits varient entre poterie, boiserie, tissage et broderie en tout genre, à la manière traditionnelle ou moderne. Une manifestation socio-économique qui représente une réelle vitrine et une opportunité commerciale pour les artisans participants. Ce salon offre aux professionnels la possibilité d'exposer et de commercialiser leurs produits, sachant que l'artisan qui travaille à la main participe à ce genre de salon afin de rencontrer de nouveaux et de nombreux clients. D'une superficie d'environ 1400 mètres carrés, le salon régional de l'artisanat, qui est auparavant passé par Marrakech et Essaouira avant de faire escale à Safi, se poursuivra jusqu'au 21 août prochain. Vous êtes bien dans InfoSoir Weekend de Zappé, surtout pas. Dans un instant, vous découvrirez les performances des Lions de l'Atlas dans les championnats étrangers qui ont repris ce week-end, notamment en France, en Angleterre et en Espagne. Et nous recevrons le réalisateur Mohamed Karat pour la sortie de son dernier long métrage dans Petit Rêve. Il relate l'histoire vraie d'un jeune handicapé qui avait décidé de poursuivre en justice le directeur d'une école. Et tout de suite, la situation encore plus confuse au Niger. Alors que l'inquiétude plane toujours sur le sort du président déchu, la CEDEAO a reporté sine die, pour une raison inconnue, la réunion des chefs d'état-major qui devait avoir lieu au Ghana aujourd'hui. Oussama Bkali. Après le refus qu'a essuyé mardi dernier la délégation conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, des chefs religieux nigérians sont arrivés samedi à Niamey afin d'établir une médiation entre la CEDEAO en la personne du président en fonction Bola Tinubu, qu'elle a rencontré en début de semaine, et le Niger. Pour la CEDEAO, le rétablissement de Mohamed Bazoum à la tête du Niger reste une condition fondamentale à l'abandon total des menaces d'intervention militaire. L'état de santé du président nigérien, séquestré au sein de la résidence présidentielle depuis le coup d'état du 26 juillet, a soulevé de nombreuses inquiétudes. Il a lui-même décrit dans les médias occidentaux le traitement de sa famille comme étant inhumain et cruel, étant privé d'électricité et de tout contact humain. Son médecin, qui n'a pu le visiter qu'aujourd'hui, a tenu à rassurer l'opinion publique quant à son état, alors que la menace d'une intervention militaire ouest-africaine, soutenue par les États-Unis et la France, plane toujours sur le Niger. La capitale continue de montrer son soutien au régime militaire du général Abdrahmane Tiani. Ex-colonisateur, la France demeure une cible désignée de la gronde sociale et est accusée d'être à l'origine de la décision de la CEDEAO. Mais au sein de l'instance régionale africaine, l'unanimité n'est toujours pas atteinte. Une session extraordinaire virtuelle des parlementaires de la CEDEAO a clairement montré l'opposition d'une majorité des participants non seulement à l'intervention militaire, mais également à sa simple citation dans les propositions de résolution. Et en raison de l'instabilité politique qui sévit au Niger, des centaines de camions de marchandises se retrouvent bloqués à la frontière avec le Bénin. C'est la première info de ce Tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Jaziel Hammari. La file est interminable et continue de s'allonger à Malanville. Dans cette commune béninoise limitrophe du Niger, des centaines de camions sont bloqués depuis plusieurs jours après la fermeture des frontières. La situation commence à inquiéter entre autres les commerçants et les transporteurs, contraints de prendre leur mal en patience. Des rayons vides et des magasins quasi déserts, la grève des transports a de lourdes conséquences en Afrique du Sud. Le mouvement qui paralyse la ville du Cap a pris une tournure violente. Des morts sont à déplorer et des milliers d'usagers se retrouvent bloqués par l'absence de minibus, le principal moyen de transport de millions de Sud-Africains. C'est un énième drame au large des côtes tunisiennes. Deux candidats à l'immigration clandestine, dont un bébé, ont péri et cinq autres sont pour l'heure portés disparus. Ils se trouvaient à bord d'une embarcation de fortune avec 13 autres personnes qui ont pu être secourues. La tragédie a eu lieu cette nuit à 120 mètres de la plage de Gabès, selon la garde nationale.
C'est dans le grand Libreville que Ali Bongo Ondimba a décidé d'officiellement lancer sa campagne électorale. L'actuel président gabonais est candidat à sa propre succession aux côtés de 18 autres candidats. Le scrutin présidentiel couplé aux élections législatives et communales est prévu le 26 août prochain. Et toujours sur le continent, sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé aujourd'hui à Abidjan à l'inauguration du pont de Cocody, un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement de la baie de Cocody, symbole de la vision de Sa Majesté Mohamed VI, d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. D'une hauteur de 100 mètres et de long de 630 mètres, l'édifice permet de résoudre la problématique de la mobilité urbaine. Urbaine, comme évoqué lors de la visite officielle du souverain en Côte d'Ivoire, c'était en juin 2015. Sans transition, place à l'actualité sportive avec ces images impressionnantes de la Coupe du Monde de Wing Foil qui vient de se disputer au Brésil, à Rio de Janeiro. Une discipline inspirée du kitesurf qui se pratique sur une planche tractée par un cerf-volant porté par la vitesse. Les Wing Foilers, comme on les appelle, volent littéralement au-dessus de l'eau. Une jeune discipline dans laquelle excellent des adolescents à l'image de l'espagnol Nia Suardias qui s'est adjugée la première place de la compétition chez les féminines. Et sport toujours avec les performances des footballeurs marocains sur les terrains anglais, espagnol et français. Un tour d'horizon signé Marwan Zrari. Azdin Ounahi et Amir Richardson se sont illustrés aujourd'hui en première journée de Ligue 1 lors du match opposant l'OM au stade Rémois. Ounahi a marqué un but exceptionnel pour l'OM avec une frappe parfaitement enveloppée à la 23e minute. L'international marocain U23, Amir Richardson, qui joue pour Reims, a été lui aussi au top de ses performances. Il a même livré une passe décisive au japonais Ito, mais le but est refusé par la VAR. Il a adopté sa position idéale pour marquer l'un de ses plus beaux buts de la tête, spécialité de Youssef Ansari. L'international marocain a ouvert son compteur hier face à Valence en première journée de la Liga espagnole. Mené par un but à zéro, Ansari a redonné espoir aux siens en égalisant à la 69e minute. Un nul que les Sévillans n'ont pas pu sécuriser puisqu'ils ont fini par s'incliner par 2-1. Le coup d'envoi de la Premier League a également été donné hier et le premier carton rouge de la saison est revenu à Anas Zrouri, fraîchement promu de la Championship avec Burnley pour son premier duel dans la cour des grands. Face à Manchester City, l'international marocain s'est fait expulser à cause d'un tacle sur Paul Walker. Cela n'a pas impacté l'issue de la rencontre puisque les Citizens menaient déjà par 3-0. Et on ouvre maintenant notre page culturelle avec la sortie en salle du dernier long métrage du réalisateur Mohamed Karat. Dans Petit Rêve, le cinéaste prend en fait et cause pour les personnes handicapées et notamment la défense de leur droit à l'éducation. Sur grand écran, il relate l'histoire d'Ebrahim qui décide de poursuivre en justice le directeur d'école qui avait refusé de l'inscrire dans son établissement. Pour ce faire, il s'adjoint les services de Hamid, un avocat dans la tourmente qui finira par se lier d'affection avec son jeune client. خديت على عاتقي باش نربيك احسن تربيه. ولد ابراهيم توحشتك. Et le réalisateur de Petit Rêve nous a rejoint sur le plateau d'Info Soir Week-end. Mohamed Karat, bienvenue, ravi de vous recevoir. C'est Petit Rêve à l'affiche, donc sur grand écran. C'était aussi un grand rêve pour vous? Absolument, parce que là, quand j'ai écrit le scénario, ça fait bien longtemps, je me voyais en réalisant ce film. Ça devient pour moi, le film Petit Rêve, Ahlam Sahara, ça devient pour moi une réalité, un grand rêve qui se réalise aujourd'hui. Et effectivement, comme tout le monde le sait, hein, pour réaliser un film, c'est beaucoup de travail. Et c'est pas évident de faire naître un film pendant des années quand on travaille dessus. Ce ne sont pas les difficultés qui vous ont épargné, puisque le Covid vous a rattrapé pendant le tournage. Ah oui, c'est sûr, parce que le montage du film. Ouais. Ah oui, c'est après le Covid, on a été tous bloqués. Donc on savait pas quoi faire parce que le film, il était prêt, mais pour la sortie, pour le voir, pour le public et pour le diffuser, c'était un blocage total. À l'époque. Le scénario est tiré d'une histoire vraie. Comment est-ce que vous êtes tombé dessus? Qu'est-ce qui vous a attrapé dans cette aventure? Effectivement, parce que moi, d'habitude, comme moi, je suis connu dans le domaine comme
un réalisateur des films à action, effets spéciaux et tout ça. Mais c'est ma première fois que je réalise ce genre de film, un film drame. Très humain, très touchant. Voilà, donc c'est lors d'une rencontre que j'ai réalisée avec un jeune garçon. À handicap physique, il avait un handicap physique et en même temps il était analphabète. Il a été refusé d'accès à l'école à cause d'un directeur qui l'a refusé parce qu'il avait un handicap physique. Donc pour lui c'était le drame total dans sa vie. Il a vécu toute sa vie et malheureux, triste. Dès le premier contact avec lui, j'étais rapidement capturé par ses propos. Parce que là, je me suis dit, malheureusement, il a eu des problèmes de santé parce qu'il avait... Il avait une maladie qui se régénère et qui l'a mis vraiment en état de... C'est le cas aussi de votre héros qui a une maladie orpheline, exactement, qui est très handicapante. C'était vraiment exactement ça. Et malheureusement, il a été décédé et ça m'a mis vraiment en colère. Et en même temps, j'étais profondément touché par ce qu'il m'avait raconté. Il a été décédé juste quelques mois après qu'on se soit croisés. Et depuis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui parle de ces gens-là. Parce que pour moi, c'est nouveau pour moi de parler d'une cause sociale comme ça dans un film pareil. Alors dans ce film, le jeune handicapé interprété par Kamel Haymoud, je n'écorche pas son nom, il faut dire qu'il est absolument prodigieux. Est-ce que vous aviez pensé à lui dès le début de l'aventure cinématographique ? Pas vraiment, parce qu'au début, j'étais attiré par quelqu'un, parce que je voyais que le personnage principal il pouvait être joué par une personne à mobilité réduite. Mmh. J'ai casté une personne, mais vraiment j'ai trouvé beaucoup de difficultés à le faire avec lui parce qu'il avait pas il ne pouvait pas travailler plus de 10 heures comme on le fait d'habitude dans les plateaux de tournage. Il ne pouvait pas apprendre par cœur le dialogue et tout ça. Mais c'est après que j'ai décidé de prendre un vrai acteur. Et lui, Kamel Haymoud, quand je l'ai casté, j'ai dit directement, c'est lui qui va le faire parce qu'il a vraiment, alors, vraiment fait. Il est très, très impressionnant. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, moi j'ai découvert après coup qu'il n'était pas handicapé. Exactement, c'est ça, oui, il n'était pas handicapé parce qu'on a travaillé ensemble sur tous les détails, même la démarche, j'ai essayé la de... La démarche, l'élocution, le visage, enfin, tout exactement, est extraordinairement bien joué. Tout ça, on a travaillé ensemble pendant des mois et des mois parce que ça fait une année qu'on a travaillé ensemble et puis... Et il ne faut pas oublier aussi Rachid Louali qui a fait un travail exceptionnel. C'est lui qui joue l'avocat. Exactement, il jouait le rôle de l'avocat et dès le départ, dès les premières lignes de mon écriture, je pensais à lui, je pensais à Rachid Louali parce que je savais que Rachid Louali, c'est lui le seul qui pouvait faire vraiment le personnage de cet avocat-là. Quels sont les échos que vous avez eus, puisque vous dédiez ce film à tous ceux qui se battent justement pour la défense des droits des personnes handicapées, et ça intervient juste avant le générique de fin. Ah oui, ça c'est très important, parce que moi je voulais le dédier aux familles des personnes porteurs de personnes handicapées, parce que je sais que les personnes à mobilité ou à handicapées, ils souffrent, mais... Et derrière, il y a aussi la famille qui souffre encore plus. Parce qu'il faut savoir que quand dans une famille, quand une personne handicapée est née, c'est un drame. Donc c'est pas aussi facile qu'on le croit. Mais ça reste que, pour moi, les échos que j'ai reçus, surtout des personnes à mobilité réduite ou des personnes à handicapées, j'étais très très satisfait. J'étais vraiment très honoré. Et surtout, je reçois tous les jours maintenant, je reçois tous les jours des messages des personnes et des familles qui me félicitent et me remercient. Damo, dernière question, est-ce que cette aventure-là va vous pousser à peut-être vous orienter vers plus de films engagés comme celui-ci ? C'est sûr, parce que là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je fasse ce genre de film, un drame émotionnel. Et je sais que l'État aujourd'hui, il a fait des choses exceptionnelles pour ces personnes-là. Mais il faut toujours voir que c'est pas assez. Et le Maroc, il est confronté à
satisfaire, à faire des choses encore plus satisfaisantes pour ces personnes-là. Et je sais que l'État joue un rôle majeur dans cet effet-là. Mais aussi, nous, en tant que citoyens, les artistes que vous êtes. Exactement, les citoyens et les artistes, on a aussi notre part à faire. Merci infiniment, j'étais vraiment heureux de vous accueillir, Mohamed Karad, réalisateur des Petits Rêves. C'est actuellement en salle et c'est à voir au cinéma. Et pour clore cette édition, un clin d'œil aux amoureux de Pikachu, la célèbre petite créature jaune. Un championnat du monde de cartes Pokémon réunit tout ce week-end des milliers de compétiteurs dans la cité japonaise de Yokohama. Le jeu, lancé en 1996, connaît un engouement permanent, faisant flamber les prix parmi les collectionneurs, avec un record établi en 2021 à quelque 55 millions de dirhams pour une seule carte. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 12 août. Le feu qui sévit dans la forêt de Cap-Spartel, circonscrit à plus de 85%. Les flammes ont réduit à l'état de cendre une quarantaine d'hectares de végétation. Un sinistre amplifié par les fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans le royaume, avec des records autour de 50 degrés. Prudence donc, notamment aux abords des espaces naturels. Dans un instant, Al-Masaïa, présenté par Hossein Ouzig. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.